À la mairie de Muttersols, quelque chose a changé. Quand un élu ou un agent allume la lumière, le courant n'est plus facturé par l'opérateur historique. Pour des questions de conviction, la municipalité a fait le pari de l'énergie verte pour l'ensemble de ses infrastructures. Et je parle bien de l'électricité de la commune en tant qu'administration. Donc en fait, c'est l'éclairage public et l'électricité utilisée dans les bâtiments communaux, à la mairie, pour l'ordinateur du maire, par exemple. Il faut de l'électricité, l'éclairage, voilà. Et donc, on a fait une consultation et on a fait le choix d'un fournisseur qui fournit 100% d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. À présent, c'est Enercoop et non plus EDF qui envoie la facture à la commune. Ce fournisseur d'électricité regroupe une centaine de producteurs indépendants. Enercoop se fournit chez des producteurs d'énergie renouvelable, des petites centrales hydroélectriques, des gens qui ont des panneaux photovoltaïques. Et donc c'est le choix de favoriser ces fournisseurs-là qui nous a conduits. En matière d'électricité à Muttersols, comme dans beaucoup de communes, c'est l'éclairage public qui représente le premier poste de dépense. On a 14 armoires d'éclairage public et ensuite sur les bâtiments principaux, c'est mairie, les deux écoles, l'école élémentaire, école maternelle, la salle des fêtes, le gymnase, la maison des loisirs, la maison des associations et l'atelier municipal. Se fournir auprès d'Enercoop engendre un coût supplémentaire. Mais la dépense est compensée par les économies réalisées par la commune en matière d'éclairage et d'isolation des bâtiments publics. Ça équivaut à 3000 euros par an de supplément. Or, il se trouve qu'on a depuis plusieurs années fait pas mal d'efforts en matière de renouvellement de l'éclairage public, en matière d'économie d'énergie dans les bâtiments communaux, qui sont largement supérieurs à ce surcoût. Donc budgétairement, il n'y a pas d'incidence pour nous. Le choix d'un fournisseur d'électricité verte s'inscrit également dans la démarche de Muttersols de fournir elle-même de l'énergie. Des panneaux photovoltaïques ont déjà été installés sur certains bâtiments. À terme, la commune compte remettre en service sa centrale hydroélectrique.